being dirty all the time. All your hunting stuff and your 3-day scruff, you know I don't lie. And then she started on all my friends and all my drinking. Well, speaking of my friends and speaking of my drinking, I cut her loose and tied one off. Bonjour, je vais vous présenter une nouvelle chorégraphie qui s'appelle Tied One On. Cette chorégraphie a été écrite sur la musique du même nom, interprétée par John Pardy, et est composée de 2 murs, 56 comptes et quelques surprises que l'on verra à la fin de cette vidéo. Je vous propose de commencer tout de suite par l'apprentissage de la chorégraphie. Alors on va commencer par un pas chassé, avant droit devant, pied gauche devant, pivot. On va faire touch pied gauche devant, touch pied gauche à gauche. Quart de tour, je vais faire un hook en même temps, donc c'est vraiment les deux en même temps, le quart de tour et le hook, et je pose mon pied gauche croisé devant le pied droit. Donc ça nous donne 7, 8, pas chassé, pied gauche, demi, pointe, pointe, hook, cross. Avec les comptes, 7, 8, et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais partir maintenant en vine à droite. 1, 2, 3, scuff, pied gauche à côté du pied droit. Je mets mon pied gauche devant, pivot. Pied gauche devant, pivot pour faire un pivot military. Alors, la variante pour ceux qui ne tournent pas, ça va être un rocking chair. Donc, rock step avant gauche et rock step arrière gauche. Donc, on est arrivé, pied gauche croisé devant le pied droit. On va partir en vine. 1, 2, 3, scuff, pivot military. 7, 8. Depuis le début, avec les comptes. 7, 8 et 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le vine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, je vais partir en diagonale. Step, touch, je reviens, step, touch, arrière, step, touch, je reviens au centre. Et là, attention, petite modification, ça ne sera pas un touch, mais un scuff, pied gauche à côté du pied droit. Donc, ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il y a une difficulté, une petite difficulté à ajouter sur ce pas-là.
Lorsqu'on est sur la partie lente, c'est-à-dire le premier mur de la chorégraphie, on va tenir nos chapeaux. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand on est sur la partie rapide de la chorégraphie, c'est-à-dire tout le reste de la musique, on va taper dans les mains. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, on partira sur la gauche. Depuis le début, avec les comptes. 7, 8 et 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diagonale, 3, 5, 7, 8. Alors, pour vous expliquer la chorégraphie, je vais mettre en version rapide, donc c'est-à-dire en claquant dans les mains. Alors, une fois qu'on est arrivé là, donc on avait fait un scuff pied gauche à côté du pied droit, on va partir en vine, 1, 2, 3, et ensuite on va partir en vaudeville. Je vais venir croiser, pied gauche à gauche, kick dans la diagonale et je repose. Donc pour vous remontrer les pas, on a fait le scuff, on part en vine. 2, 3, vaudeville avec le kick et je croise avec les comptes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depuis le début avec les comptes. 7, 8 et 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le vine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diagonale, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois que je suis arrivé là, je vais faire un quart de tour à droite pour poser mon pied droit devant, scuff, pied gauche devant, scuff. Et là, je vais faire un rocking chair, rock step avant droit, rock step arrière droit. Donc, on est arrivé... Kick et je cross, step, scuff, rocking chair. Depuis le début, avec les comptes. 7, 8 et 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le vine. 2, 3, 4, 5, 6, diagonale en 1, 3, 5, 7, le vine et 1, 2, 3, vaudeville et 5, 6, 7, 8, le quart. 2, 3, 4, rocking chair. Une fois qu'on est arrivé là, on va faire un montre-return. Donc, pointe du pied droit à droite, demi-tour, pointe du pied gauche à gauche, je reviens. Et on refait la même chose, pointe du pied droit à droite, demi-tour, pointe du pied gauche à gauche, on revient. Depuis le début, avec les comptes. 7, 8 et 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, diagonale et 1, 3, 5, 7, le vine et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le quart, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste 8 comptes et la chorégraphie est terminée. Pour terminer, on va partir en vine à droite. On fait un scuff pied gauche à côté du pied droit. Et on refait un vine à gauche avec un scuff pied droit à côté du pied gauche. Donc ça va nous donner avec les comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reprend la chorégraphie depuis le début. Justement, on va reprendre depuis le début avec les comptes. 7, 8 et 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, diagonale en 1, 3, 5, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le vine en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je repars. Alors je vous ai parlé au début de la vidéo de quelques surprises durant la chorégraphie. Alors, en tout, il y a 5 tags, et parmi ces 5 tags, on pourrait dire qu'il y a 4 breaks. Alors, les breaks sont assez simples. Pour les résumer grossièrement, on va faire un stomp droit, un petit temps va passer, stomp gauche. Donc, 4 tags sur 5, ça va être stomp droit, stomp gauche. Alors maintenant, il faut savoir où les placer. Alors, on en a un déjà à notre premier mur. Donc, vous allez avoir, après la 5e session, on va arriver sur le vaudeville et le kick, et je cross. Et là, on passe tout de suite un stomp à la place d'un step. On attend 7 comptes. Donc, en fait, le stomp, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reprend depuis le début. Alors, si vous écoutez la musique, ça ira un petit peu mieux. Donc, le premier stomp se place tout de suite. Et à un moment, le chanteur va faire 1, 2, 3, 4. Stomp du pied gauche. Et après, on reprend depuis le début. Bien évidemment, en comptant jusqu'à 8.
Le deuxième tag, sur le troisième mur, c'est exactement pareil, sauf qu'au lieu d'être dans la partie lente, on s'est retrouvé dans la partie rapide. Le troisième tag, maintenant. La fin de la chorégraphie, on part en vine à droite, vine à gauche. Eh bien, on va refaire ce vine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repart. Donc ça, c'est notre troisième tag. Le quatrième, comme on a fait notre vine juste après, sur le mur 6, pareil, on va arriver kick et cross et stomp. Et là, on va compter 4. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repart. Et enfin, on a notre tag sur le huitième mur, qui est un endroit un peu différent de d'habitude, puisque là, c'est vraiment à la fin de la chorégraphie. On va arriver vine à droite, vine à gauche, et stomp du pied droit devant. Et attention, il ne faut pas oublier tout de suite d'enchaîner avec le stomp du pied gauche devant pour pouvoir repartir du bon pied. Donc au niveau des comptes, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on repart. Donc on avait, pour les deux premiers tags, 16 comptes de tag ou de break. Pour le troisième, break, on avait 12 temps et maintenant nous n'en avons plus que 8. Pour le final, c'est assez simple. Il suffit de faire la chorégraphie mais plus lentement. Donc on va arriver à la fin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reprend normalement la chorégraphie, on continue, mais un petit peu plus lent que la vitesse qu'on avait lorsqu'on était en rapide. On fait diagonale, je reviens, on ne part pas en arrière. On va faire quart de tour, pied gauche devant. Donc je fais un simple step, ce n'est pas un stomp. Je me retourne vers le mur de 12 heures et je termine. Stomp, pied droit devant avec la descente de piano. Et la chorégraphie est terminée. I cut her loose and tied one.